Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est le monde de Anna. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui chez Action de Aulnoy-les-Valenciennes. Nous allons voir ensemble les arrivages, des vidéos à thème comme toujours. Je réponds à vos questions, c'est parti. Me voici dans l'univers loisirs créatifs, je vais vous faire le tour, vous présenter ce qu'il y a en ce moment dans les rayons et répondre aussi à vos questions. Là par ici, je vais commencer avec les nouveaux marqueurs. Ils les ont également reçus, je crois qu'on les avait vus aussi à Soma, il me semble, à 1,19€, les marqueurs glitter, donc paillettes. Regardez. Donc si vous les avez testés, hein, n'hésitez pas aussi à laisser un message, à nous dire ce que vous en avez pensé. Alors, attendez, j'ai la main qui tremble tout simplement parce que je le tiens très mal. Voilà. À base d'eau, pointe à billes, sachant que vous avez différentes couleurs. Là, on a dans les bleus, orange, jaune. Je sais plus, ils en avaient combien d'ailleurs dans la série de ceux-là. En tout cas, là, ça m'a l'air d'être chargé. 1,19€. Hein. Ici, les marqueurs peinture. Alors, il y a une peinture irisante métallique. 1,59 par 4. Voilà, par 4. Donc, 2, ils mettent paillettes et 2 métal. Voilà, marqueur de peinture, toute surface, vert, porcelaine, métal, bois, textile, sachant que vous avez tout un choix. Par 3, les marqueurs de calligraphie, ceux-là vous les avez en noir, en argenté, doré et aussi je crois cuivré. C'est 2, 3,5 et 5 pour la pointe. 99 centimes. Je sais pas pourquoi je tremble quand je tiens les produits. Alors, c'est peut-être parce que j'ai encore les mains froides. Les Twin Markers métallique à 3,99€, ça va aller. 2, 3, 4 et 5 mm pour la pointe. Vous avez 4 pointes différentes. 3,99€, qu'est-ce que je vois d'autre? J'essaye de voir ce qu'ils ont en choix. Là, on est plus dans les crayons. Ah tiens, on a du nouveau, du retour, je crois que vous le connaissez, ce format. Je sais pas si j'arriverai à le prendre. Ah. Attendez, voilà, c'est une trousse. Étui de rangement, 24 marqueurs. Bonjour. Sachant que vous avez voilà, tout un choix. Je regarde ici, trousse de rangement contenant 6 micro fineliners noirs. Alors, les pointes, c'est 0,5, 0,1, 0,3, 0,5, 0,8, 1 mm. Et pointe ronde, 0,5, 1 mm. 3 feutres de calligraphie blanc, taille 1, 2, 3 mm. 1 feutre pinceau blanc, taille 1 mm. 6 feutres pinceaux de différentes couleurs. Merci. Voilà ce que contient cette trousse, hein, à 5,99€. Là, au niveau des Wifi Tap, ils ont reçu des nouveaux modèles. Hein. Je vous avais dit de bien regarder, parce que parfois, voilà, il y a des nouveaux modèles, on pourrait passer à côté, cette fois 6 mm, à 89 centimes. Il y a ce choix également, qui est récent. Je ne l'avais pas forcément vu. Je regarde, bon, celui-là, ça fait un petit côté fête aussi, hein, pourquoi pas, si vous faites des créations pour les fins d'année. Qu'est-ce qu'on a d'autre en nouveauté? Est-ce qu'il y a encore du nouveau? Celui-là, avec les petites plantes. Donc c'est plutôt pas mal. Les formats varient. Hein. Là, c'est 4 x 3 mètres, 6, 10, 15, 20 mm au niveau de l'épaisseur. Voilà, donc ça varie, c'est bien chargé. On retrouve également ici les rubans en organza. Rubans en organza à 74 centimes. 6 x 2,5 mètres. Il y a ce coloris. Faites attention car les couleurs se ressemble un petit peu, regardez. Voilà, juste pour vous montrer un peu le voilà la différence entre les deux. Et où es-tu, troisième modèle? Arriverai-je à l'attraper? Oui, il est là. Voilà, il me semble que c'en est trois, hein. Trois modèles différents, si je ne dis pas de bêtises. Donc 74 centimes. Côté laine, je sais que vous appréciez énormément la laine de chez Action. J'ai beaucoup de messages me demandant que le rayon était, enfin, me disant que le rayon ici était grand. Alors sincèrement, ils sont pas grands, je pense qu'ils se ressemblent pour la plupart du temps. C'est juste voilà, peut-être en fonction des magasins. Voilà, certains connaissent un peu plus de succès, plus de passages. Dans le sud, il y a moins de magasins, je crois. Et c'est vrai que voilà, ici on a la chance d'en avoir un peu plus dans le nord, en tout cas. La médium est principalement ici en rayon avec combien de couleurs différentes? On en a pas mal, attendez. À 1,09, hein, c'est 100% acrylique. 4 et 5 pour la taille des crochets et des aiguilles. Je vous l'ai déjà présenté, celle-ci. Donc on a ce vert, du gris, du noir, ce rose, bleu, blanc cassé et ce rose aussi. Là, le rose est pas tout à fait le même. Hein. Vous avez vu un modèle un peu plus foncé et l'autre un peu plus clair. Sinon, nous retrouvons également la tweed yarn.
Elle est très belle celle-ci. C'est un grand format. À 4,29€. 300 grammes, 265 mètres. C'est de l'acrylique 96%, 4% de polyester, 8 pour la taille des crochets et des aiguilles. Du blanc, deux gris différents, du bleu aussi. Que je vois. Peut-être les remettre dans l'autre sens, comme ça. Et je crois qu'au fond, il y a aussi un modèle vert. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bah tiens, il est là le vert. Je n'avais pas fait attention. Tweed yarn. Hop. La XL. Présente en rayon. À 3,29€. 100% acrylique. Hein. 200 grammes, 100 mètres. Ce gris, on a un gris clair. Deux verts différents, comme vous pouvez le voir. Du rose aussi, on a deux roses différents. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. 3,29€ pour le prix. Sinon, celle-ci aussi, où c'est bien chargé. La Giant. Attendez, je vais en prendre une en main. C'est toujours mieux. La Giant Wool Yarn. 98 de laine, 2% de polyester, 100 grammes, 75 mètres. Les informations, où sont-elles? Ah, elles sont là. Voilà, je ne sais pas si vous allez les voir. 9 pour la taille du crochet et des aiguilles. Il y a du bleu, du gris, du blanc. On a un coloris ocre aussi, qui est pas mal. 2,69. J'ai l'impression qu'ils ont bien rechargé ici la résine. Voilà, le kit époxy résine à 4,99€. Avec deux colorants, je ne sais pas si vous les avez testés, achetés ceux-là. Alors j'avais eu un retour me disant que c'était un produit qui n'était pas top. Je sais pas, franchement, moi j'ai pas testé donc je pourrais pas vous dire. Mais n'hésitez pas à partager, à nous dire ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'auraient utilisé. Où j'ai eu des bons retours en tout cas, c'est les pistolets à colle, surtout celui de la gamme ferme qui est à 4,79€. Voilà, donc deux cartouches de colle avec. Et il y a celui-ci aussi à 3,29€. Là, on me dit la colle un peu moins bien, mais ça, quand même, ça peut être pratique pour certaines utilisations. Et les recharges, les cartouches par 12, ferme à 1,59 et 1,19 par 10. Ici, ce sont les boîtes de rangement. Alors là, il y en a une qui a été ouverte. Je me permets hein, pour vous montrer. C'est 4, je crois que c'est 4 niveaux, c'est ça, hein, 4 niveaux avec 8 compartiments à chaque fois, à 1,89. 1,89 pour le prix. Ensuite, bah tiens, côté colle, je vais en profiter pour vous montrer ce qu'il y a. À 99 centimes, c'est de la colle blanche. La fameuse Crab Patch Glue. À chaque fois, je le glue. Textile glue. Spécial textile, 99 centimes. La transparente à 89 centimes, c'est du 100 ml. Hein. Et on a également ce choix de colle blanche. À 99 centimes, ils mettent colle prête à l'emploi, à usage multiple pour les loisirs ou la maison. En peinture, en... pour customiser, hein, pour customiser en DIY sur un petit meuble, vous avez ce choix. Alors d'habitude, il y a beaucoup plus de couleurs. C'est vrai qu'il y a d'habitude plus de couleurs. Là, on a du bleu et du gris, principalement. À 1,99€, c'est du 250 ml. Nous retrouvons également le Diamond Painting 30x40 à 4,39€. 4,39€. Donc celui-là, c'est les derniers. Hein. C'est les derniers qui étaient rentrés chez Action. La version avec le petit zèbre. On a celui-ci aussi. Tiens, j'avais pas vu, je passe en promo, ceux de Noël, à 3,59€. J'avais même pas fait attention. Vous le saviez ou pas? Voilà, pour ceux qui en ont, en tout cas, sachez que si vous souhaitez en acheter, voilà, c'est en promo de la semaine jusque mardi. Donc 30x40 à 3,59€, les Diamond Painting, et ceux-là sont phosphorescents. Hein. En Diamond Painting, également phosphorescent, vous avez ce choix. Là, c'est un plus petit format, c'est du 20x20, à 3,29€. Là, je suis dans le rayon saison, hein, je tiens à préciser, hein, où il y a toutes les... enfin, en tout cas, sur Noël et Vincennes, où il y a toutes les petites décos de Noël, et ils ont regroupé, voilà, le loisir créatif spécial fête, hein, je dirais, si on peut dire ça comme ça. Sinon, cherchez bien, faites bien le tour, parfois en tête de gondole ou autre, ou n'hésitez pas à demander conseil auprès des équipes, ils vous renseigneront et vous donneront les infos. Donc 3,29€ ici, 20x20, je sais pas, c'est possible qu'il y en ait d'autres au fond, hein, c'est juste que là. S'il y en a encore un autre, regardez. Hop là. Donc, je sais plus si c'était 4 ou 5 modèles différents dans celui-ci. Donc 3,29€. La petite toile de Noël avec lumière LED à utiliser ici avec vos fameux markers. Vos twin markers. Voilà. 6 dans la série. C'est sympa ça aussi, petite lumière LED. C'est une version brillante. 2,29€. Là, c'est les derniers. Vous avez vu, les côtes barres sont barrées. Là, Veilleuse Diamond Painting à 2,79€. Parfois vous la retrouvez au rayon loisirs créatifs enfants.
tiens juste à le préciser, hein, pour ceux qui parfois cherchent certains produits, ils sont pas forcément, voilà, parfois ça peut varier dans les rayons. 84 centimes, sequins et perles. Donc là, c'est sequins en forme d'étoile, sinon ce sont des perles. 84 centimes. Alors, je sais plus qui m'avait dit les perles, bof. Je sais plus si c'est parce que, avec l'eau, ça a tendance à peut-être s'abîmer un peu plus vite. Et nous retrouvons, voilà, 4 couleurs. 4 couleurs, je vous ai dit ? 3, pardon. 3 couleurs, 84 centimes. Voilà pour l'ensemble de mes vidéos, j'espère qu'elles vous ont plu. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, c'est gratuit, vous aurez toutes les informations concernant les prochains arrivages et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. À très bientôt.